السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى en cette soirée du mercredi 9 Rajab 1433, correspondant 30 mai 2012, bi'idhnillahi ta'ala. Toujours avec le livre Les signes de la fin des temps, nous sommes, inshallah ta'ala, aujourd'hui au 32e signe, qui est la disparition des vertueux. La disparition des vertueux. D'ailleurs, parmi les signes de la fin des temps, il y a la disparition des vertueux, la diminution des gens de bien et la multiplication des malfaiteurs, à tel point qu'il ne restera que les pires hommes. C'est sur eux que viendra l'heure. Abdullah ibn Amr rapporte, radiallahu ta'ala anhu, que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: « La taqoumu sa'a, l'heure ne viendra pas. Hatta ya'khudha Allahu shariqatahu min ahli al-ard. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'Allah ta'ala reprenne son élite parmi les gens de la terre. Fayibqa fiha ajaja. Quand Allah ta'ala prendra l'élite, il ne restera plus que les racailles. Les racailles. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Il ne restera plus que les racailles qui ne commanderont aucun bien et ne réprouveront aucun mal. Hadith rapporté par Ahmed. Et Ahmed Shakir a dit, sa chaîne de transmission est authentique. Dans le Mousnad, vous le trouverez dans le tome 11, page 181-182. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala prendra les gens de bien et de religion. Il ne restera plus que la racaille parmi les gens, les pires hommes et ceux en qui il n'y a aucun bien. Cela se déroulera quand la science disparaîtra et que les gens prendront des chefs ignorants qui émettront des avis juridiques sans aucune connaissance. Amr ibn Shu'aib, radiallahu ta'ala anhu, rapporte de son père, qui le tient de son grand-père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Ya'ti ala nasi zaman » Les gens connaîtront une époque. Yugharbaluna fiha gharbala, où ils seront passés au crible. Yabqa minhum huthalatun. Ils seront passés au crible, durant laquelle il ne restera d'entre eux que des crapules. Yabqa minhum huthala, qad marijat uhuduhum wa amanatuhum. Il ne restera d'eux d'entre eux que des crapules, dont les promesses et les responsabilités se seront corrompus. واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعي. Et qui seront mêlés l'un à l'autre, de sorte qu'ils soient ainsi, et ils croisent les doigts, sallallahu alayhi wa sallam. La disparition des vertueux, aura lieu lorsque les péchés se feront nombreux, et que la recommandation du bien sera délaissée, ainsi que la réprobation du mal. Car quand les vertueux voient un mal et n'essayent pas de le changer, et que la corruption se propage, le châtiment les touchera, ainsi que les autres quand il arrivera. Conformément au hadith dans lequel le prophète Aïssalam fut questionné, vous connaissez le hadith tous, lorsqu'on lui a dit: périrons-nous
Je crois que c'est Aïcha radiallahu ta'ala qui a dit cela. Périrons-nous alors qu'il y a des vertueux parmi nous? Il répondit oui, si la turpitude abonde. Oui, si la turpitude abonde, rapporté par le Bukhari. Donc, la disparition des vertueux est un signe parmi quoi? Parmi les signes de la fin des temps. D'ailleurs, vous connaissez tous le hadith authentique de Anas qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que celui qui va venir après sera pire. Il n'y a pas un jour qui passe sans que celui qui viendra après ne soit pire. Subhanallah. Et subhanallah, c'est exactement comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il faut comprendre pire, pire, c'est pas dans la dunya, mais plutôt yani, dans la science. Dans la science, non. Il n'y a pas un jour qui passe sans que celui qui va venir après, il y aura moins de science. Subhanallah. Vous voyez maintenant, par exemple, au temps des Sahaba, c'était tous des savants. Ensuite, après eux, il y a eu les grands savants, non, les grands savants, des grands rides. Ensuite, parmi eux, non, les fils des tabi'in, etc., non, subhanallah, il y avait plein de savants. Autant de Ibn Taymiyyah, il y a plein de savants. Autant de Ibn al-Qayyim, al-Muhim. Maintenant, les savants, comme vous remarquez, ça se compte sur les bouts des doigts. Il y a des pays, subhanallah, plein de pays musulmans, il y a même pas un savant. Vous savez ça. Plein de pays musulmans. Plein de pays musulmans où il n'y a même pas un savant, un seul, c'est pas deux. Un seul, quand je dis savant, vous savez que ça veut dire savant. Un seul, il n'y en a pas, subhanallah l'adhim. Donc c'est comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un jour où yani, le jour qui va venir ne soit pire. Alors qu'en est-il? Qu'en sera-t-il d'ici 100 ans, d'ici 200, 300 et comme ça? Non. Ça ne se contredit pas avec le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, authentique. Qui dit que tous les 100 ans, Allah Ta'ala enverra à la nation quelqu'un qui va le renouveler quoi, leur religion. Naam, ça se contredit pas. C'est quelqu'un qui vient tous les 100 ans. Ensuite, un parmi toute la nation, qu'est-ce qu'il peut faire? Ça, il va renouveler le dîn. Mais, qu'est-ce qu'on va dire? Mais la science, yani les savants, yani, il n'y en aura pas, yani comme il y avait à la première époque, comme il y avait à la première époque. Taïb, parmi les signes aussi de la fin des temps, il y a l'élévation des plus vils des hommes. L'élévation des plus vils des hommes. L'un des signes de la fin des temps est que les gens les plus vils hein, soient au-dessus des vertueux. Et ce sont eux qui monopolisent leurs affaires. Ainsi, la direction des biens sera entre les mains des faibles d'esprit et des racailles, ainsi que de ceux en qui il n'y a aucun bien. Cela révèle donc, cela relève de l'inversement des notions. Non, les notions vont s'inverser et du changement de situation. C'est de plus une chose à laquelle on assiste à notre époque. Même à notre époque, subhanallah, on assiste à cela. À savoir que de nombreux dirigeants et gens de pouvoir et de responsables sont les moins vertueux et les plus ignorants. Alors qu'il faudrait mettre en avant les pieux, nam, les pieux et les religieux à la tête du pouvoir. Les meilleurs hommes et les plus nobles sont ceux attachés à la religion et les pieux. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, Inna akramakum indallahi atqakum. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pur. Al-Hujurat 13. C'est pour cette raison que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne confiait les commandements vertueux aux savants. Il en était de même pour ses califes après lui. Les exemples de cela sont nombreux. Al-Bukhari, rahimahullah, rapporte, d'après Hudayfa, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux gens de Najran, un jour il leur a dit, La ab'athanna ilaykum rajulan aminan haqa amin. Je vous enverrai certes un homme de confiance, vraiment de confiance. Fastashrafa laha ashabu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fab'atha Abu Ubaida. Alors les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam voulurent être cette personne, auraient aimé être cette personne.
mais il leur envoya Abu Ubaida, rapporté par al-Bukhari. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il leur a envoyé quelqu'un, quelqu'un, pour lui donner une responsabilité, il leur a envoyé qui? Quelqu'un de confiance, vraiment de confiance. D'ailleurs, voici quelques hadiths montrant les racailles, montrant que les racailles seront élevées et que cela fait partie des signes de la fin des temps. L'imam Ahmed rapporte, d'après Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sinon khadda'a, les gens connaîtront certes des années insidieuses, yusaddaqu fiha al-kadhib, durant lesquelles on croira le menteur, wa yukadhabu fiha as-sadiq, et on démentira celui qui est véridique, wa yu'tamanu fiha al-kha'in, on accordera la confiance au traître, wa yukhawwanu fiha al-amin, et on considérera comme traître le digne de confiance. Et durant ces années, durant lesquelles parlera le vil, l'incapable. On demanda, et qui est l'incapable, qui est le vil? Il répondit, le faible d'esprit qui parle de ce qui concerne la masse. Le faible d'esprit qui va parler dans les choses qui concernent la masse. Rapporté par Ahmed, tome 15. Page 37-38, et Ahmed Shakir a dit, la chaîne de transmission est fiable, et le texte est authentique, et le texte est authentique. Ibn Kathir aussi a dit, c'est une bonne chaîne de transmission, mais ils ne l'ont pas rapporté de cette façon. Al-Muhim. Donc, ça fait partie aussi des fins des temps, que les gens les plus vils, yani, s'élèvent sur les autres, et que la personne la plus vile, et qui n'a aucune science, n'aime, va parler dans des choses très importantes, et des gens de masse. Des gens, on va parler des affaires de la masse. Et ce qui arrive maintenant, c'est qu'on voit quelqu'un, par exemple, un petit jeune qui n'a rien, qui vient juste de rentrer dans le dîn, s'impliquer, commence à parler, de donner des fatwas dans le djihad. Dans le djihad, que c'est le moment du djihad, et qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut... Subhanallah al-Azim. C'est donc, yani, le faible d'esprit qui quoi? Qui va se prononcer, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va trouver dans le hadith de Jibril, le hadith long de Jibril, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il lui a dit, cependant je vais te parler de ces signes, avec Jibril, il lui a dit, je vais te parler de ces signes, de ces signes. Il a dit, wa idha kanat al-urat al-hufat ru'us an-nas. Il a dit, et lorsque les vingt nu-pieds seront à la tête des gens. Il a dit, فَذَاكَ مِنْ أَشْرَطِهَا. Cela fait partie de ces signes. Lorsque tu verras que les vingt nu-pieds auront des responsabilités et seront à la tête des gens, ça fait partie de quoi? De la fin des temps. De la fin des temps. Hadith rapporté par Muslim, tome 1, page 163. Et Omar ibn Khattab rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, مِنْ أَشْرَطِ السَّاعَةِ, parmi les signes de l'heure, أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الدُّنْيَا لُكَعَ بْنُ لُكَعَ. Parmi les signes de l'heure, il est que l'abject, fils d'abject, domine le monde. Quelqu'un d'abject qui n'a aucune quoi? Aucune valeur, subhanallah. Même son fils, même son père n'avait aucune valeur, et celui-là, subhanallah, il va dominer le monde. Le meilleur des gens ce jour-là sera un croyant entre deux nobles. Le meilleur des gens sera un croyant entre deux nobles. Subhanallah al-Azim, vous avez remarqué maintenant, ceux qui dominent le monde, si vous allez voir c'est qui, vous allez trouver que ce sont des abjects fils d'abjects. Des abjects fils d'abjects. Même des koufars, plein de souillures, plein de souillures dans le cœur, souillures dans le corps. Qui n'ont aucune relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-Azim, les plus vils, les plus ceci, les plus cela. Ce sont eux qui commandent maintenant le monde. Subhanallah al-Azim. Maintenant, il y a même des femmes qui dominent le monde, comme la ministre des Affaires étrangères des États-Unis, Clinton. Subhanallah al-Azim. Tu bouges dans ton pays, un quart d'heure après, elle va te parler en direct de la Maison Blanche. Elle va te dire,
je n'aimerais pas ceci et cela, on est contre ceci et cela, on voudrait pas ceci et cela. Dans ton pays, subhanallah al-azim, comment c'est devenu le monde maintenant, s'il y avait encore, naam, s'il y avait, et où est-ce avec marqué la Angel ou la, comment qu'elle s'appelle, des États, d'Allemagne, et l'autre, la présidente d'Europe, Ashton, ou je sais pas comment qu'elle s'appelle. Maintenant, subhanallah al-azim, des femmes, yani, qui commandent le monde. Si Omar Ibn Khattab était toujours vivant, naam, il leur aurait montré, il leur aurait montré qu'est-ce que ça veut dire, yani, une femme comme ça qui nous commande, subhanallah al-azim, qui rentre dans nos problèmes. Maadish, nous, yani, on patiente. On patiente, Allah subhanahu wa ta'ala fera une solution aux musulmans. Car jamais les kuffars ne seront sur le musulman. Jamais ils ne seront au-dessus d'eux. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran. Jamais Allah Ta'ala ne fera de sorte que les kuffars seront sur les musulmans, au-dessus d'eux. Naam. Viendra le temps où ça se retournera contre eux, bi'idhnillah Ta'ala. Il suffit juste que nous, en soi, yani on revienne à notre religion. C'est pas parce qu'Allah Ta'ala les a aimés qu'il leur a donné ça. C'est nous. Parce qu'Allah Ta'ala est en colère contre nous qui nous a fait ça. Il nous punit. Il nous châtie. Il nous dit, vous ne voulez pas revenir vers votre religion. Vous ne voulez pas pratiquer. Comme l'a dit dans le hadith. Il a dit, si vous ne revenez pas juste à votre religion, Allah Ta'ala va quoi? Il va vous avilir. Et vous resterez comme ça avili jusqu'à ce que vous reveniez vers votre religion. Donc Allah Ta'ala nous châtie maintenant. En faisant de sorte que ceux-là et celles-là nous commandent. Ceux-là et celles-là nous commandent. Jusqu'à ce que nous, on revienne vers notre religion. El-Muhim. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a bien dit dans le hadith authentique, « Ida usnida al-amru ila ghayri ahli fantadir sa'a. » Si tu vois la responsabilité octroyée à ceux qui n'en sont pas dignes, alors attends-leur. Rapporté par le Bukhari. Lorsque la responsabilité sera octroyée à ceux qui n'en sont pas dignes et qui ne la méritent pas, alors attends-leur. Et Abu Huraira radiallahu ta'ala nous rapporte. Il dit, parmi les signes de l'heure, il est que les vermines s'élèvent au-dessus des nobles. Est-ce ainsi, ô Abdullah ibn Mas'ud, que tu l'as entendu de mon bien-aimé? Il répondit, oui, par le Seigneur de la Kaaba. Nous demandâmes, et qu'est-ce que les vermines? Et lui de dire, les hommes vils. Les gens de famille confuses que l'on élève au-dessus des gens vertueux et les nobles. Afoun, des gens vertueux. Et les nobles, ce sont les gens de bonne famille. Et les nobles, ce sont les gens de bonne famille. L'imam Ahmed rapporte, d'après Abi Hurayra, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, La tadhhabu dunya, hatta tasira li luka ibn luka. La terre ne disparaîtra pas, ou bien il n'y aura pas de fin du monde. Jusqu'à ce qu'elle appartienne, c'est-à-dire la terre, le monde, à l'abject fils d'abject. Non, à l'abject, le vil, fils du vil. C'est-à-dire jusqu'à ce que ses bienfaits, ses jouissances et la notabilité sur elle soient à lui. À lui. L'imam Ahmed rapporte dans une autre version, selon Hudayf ibn al-Yaman, que le prophète islam a dit « La taqoumu sa'a, l'heure ne viendra pas ». L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que celui que le monde d'ici-bas rendra le plus heureux des gens, sera l'abject fils d'abject. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que celui que le monde d'ici-bas rendra le plus heureux des gens, soit l'abject fils d'abject. Voir le Mousned de l'imam Ahmed, tome 5, page 389. Suyuti souligne son authenticité dans le Jami' al-Saghir, authentifié par l'Albani dans Sahih al-Jami', tome 6, page 177. Et Hudayfa radiallahu ta'ala rapporte que le prophète sallam a dit, concernant la disparition de la responsabilité, il a dit Hatta yuqala li rajul ma ajlada, ma adrafa, ma aqala, wa ma fi qalbihi mithqalu habatin min khardal min iman. Il a dit, c'est-à-dire l'heure ne viendra pas, etc., jusqu'à ce que l'on dise de l'homme, comme il est patient, comme il est distingué, comme il est sensé, alors qu'il n'y aura dans son cœur
même pas le poids d'un atome de moutarde de foie. Subhanallah al-Azim. Naam. Les gens font des éloges à des gens en regardant seulement quoi? Le côté, yani, dunya. Naam. Il est censé, il est ceci. Alors qu'il n'a rien de cela. Naam. Les gens maintenant, subhanallah al-Azim, ils font ça par hypocrisie. Naam. Autrefois, on disait d'une personne comme ça, quand elle était, mashallah, elle avait le din, les principes. Maintenant, non. D'un soulard, d'un drogué, on dit comme ça. Comme il est, mashallah, celui-là. Cela est d'actualité aujourd'hui au sein des musulmans qui disent d'un autre, comme il est intelligent, comme est bon son comportement, il lui attribue les meilleures vertus alors qu'il fait partie des gens les plus pervers. Et il fait partie de ceux qui ont le moins de religion et de responsabilité. Il pourrait même être un ennemi des musulmans et quelqu'un qui agit pour détruire l'islam. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'Allah Azza wa Jal. Donc vous remarquez, il n'y a pas une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédite et qui n'a pas eu lieu, subhanallah al-Azim, et qui n'a pas eu lieu. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. D'ailleurs, ensuite là j'ouvre une parenthèse pour dire que sache, akhi al-Karim et ukhti al-Karima, sache que tout ce qui peut se passer dans ce monde, tout ce qu'a prédit le prophète, tout ce qu'il a dit, tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut se passer comme mal, comme malheur, comme, jamais ne te fera de mal si tu tiens à ta religion. Alhamdulillah. Une ni'ma d'Allah, une grande ni'ma. Tous les gens du monde, et les Américains, et les Russes, et les Japonais, et les Chinois, et les Allemands, et, vont se mettre d'accord pour te faire du mal, wallah al-ali al-azim qu'ils ne pourront pas. Pourquoi? Si Allah Ta'ala veut te défendre, ils pourront jamais. Si Allah Ta'ala les laisse, ils pourront. Mais si Allah Ta'ala ne veut pas, ils ne pourront pas. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit dans le Coran qu'il quoi? Qu'il yani, comment dit, qu'il défendait. Il défendait les croyants, ceux qui remplissent les conditions. Donc nous, on n'a qu'un seul but. Comment adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala et être sincère avec lui au maximum. Ensuite, on peut même défier les gens. On leur dit, si vous pouvez faire quelque chose, faites-la. Naam. Comme l'un des messagers, l'un des prophètes a dit ça dans le Coran. Naam, il a dit, ثُمَّ كِيدُونِ جَمِعًا وَلَا تُنْدِرُونَ. Il a dit, ensuite, regroupez-vous et rusez-moi. Rusez contre moi et n'attendez pas. N'attendez pas demain. Faites-le maintenant si vous pouvez. Ça dit, vous ne pouvez pas. Donc, tout ce qu'on raconte, ce qui se passe, etc., il ne faut pas avoir peur. Non, si tu tiens en ta religion, rien ne peut t'arriver, bidnillah ta'ala. Non, aucune chose ne peut t'arriver qui n'a pas été inscrite dans la tablette préservée. Mais c'est plutôt ceux qui n'ont aucune relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont égarés, ceux qui ne savent pas où mettre le pied, ni pourquoi ils vivent, quel est leur but, pourquoi ils existent, quand ils meurent, où est-ce qu'ils vont aller? Pourquoi la mort? Pourquoi on vit après on meurt? Pourquoi ils sont dans le grand égarement. Ce sont ceux-là hein, qui seront vraiment touchés par ce qui arrive. Al-Muhim. Parmi les signes de la fin des temps, il y a aussi quoi? Il y a le fait d'adresser le salut seulement aux gens qu'on connaît. Parmi les signes de la fin des temps, il y a le fait d'adresser le salut seulement aux gens qu'on connaît. Parmi les signes de l'heure, qu'a prédit aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont il nous a informé, c'est que la personne n'adresse le salut qu'à la personne qu'elle connaît. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala nous rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit inna min ashrati sa'a, parmi les signes de l'heure, an yusallima ar-rajulu 'ala ar-rajul la yusallimu alayhi illa lil ma'rifa. Parmi les signes de l'heure, il est que l'homme et la femme aussi bien sûr, on salue un autre, ne le saluant que parce qu'il le connaît. Que parce qu'il le connaît. Voir le Mousnid, tome 5, page 236, Ahmed Shakir a dit, la chaîne de transmission est authentique. Il est authentifié aussi par Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Parmi les signes de l'heure, il est que l'homme et la femme aussi, ne salue un autre ou une autre
que parce qu'il la connaît ou parce qu'elle la connaît. Dans une autre version, d'après l'imam Ahmed authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna bayna yaday sa'a, taslim al-khassa. Avant la venue de l'heure, il est que le salut ne soit adressé qu'à ceux que l'on connaît. Qu'à ceux que l'on connaît. Rapporté par Ahmed, tome 5, page 333, Al-Albani a dit, sa chaîne de transmission est authentique. Voir Silsila Sahiha, tome 2, page 251. Donc, avant la venue de l'heure, il est que le salut soit adressé seulement à ceux qu'on connaît. C'est une chose que l'on remarque à notre époque, car beaucoup de gens ne saluent que ceux qu'ils connaissent, ce qui est contraire à la sunna, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité d'adresser le salut à celui que l'on connaît et comme à celui que l'on ne connaît pas, vu que cela permet de propager l'amour entre les musulmans. Amour qui mène à la foi, qui permet d'entrer au paradis. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tadkhulul janna hatta tu'minu. Vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous soyez croyant. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Et vous ne serez pas croyant jusqu'à ce que vous vous aimiez. Jusqu'à ce que vous vous aimiez. Naam. Awa la dullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Afshu salam baynakum. Ne vous indiquerai-je point? Est-ce que vous voulez que je vous indique une chose qui, si vous la mettez en pratique, vous vous aimerez? Réponse: propagez le salut entre vous. Rapporté par Muslim, tome 2, page 35. Donc, comme vous l'avez remarqué, ce signe existe déjà de nos jours. Beaucoup de gens ne passent le salam qu'à ceux qu'ils connaissent. Quand il rencontre dans la rue quelqu'un qu'il ne connaît pas, il lui dit pas salam alaikum. Mais s'il le connaît, c'est un voisin, c'est un ami de la mosquée ou du travail, il lui dit salam alaikum. Donc ça fait partie de quoi? Des signes de la fin des temps. Alors que, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez, toute personne qui passe, qui rencontre une autre, lui dit salam alaikum wa rahmatullah. Vu yani quoi? Yani les récompenses que ça a. Et comment ça permet, subhanallah, de propager l'amour entre les gens. Et yani, c'est même un signe yani, qui nous fait rentrer au paradis, bi-idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, comme vous avez remarqué, yani, on adresse le salut que seulement aux gens qu'on connaît. D'ailleurs, parmi les signes aussi de la fin des temps, parmi les signes aussi de la fin des temps, la recherche de la science auprès des plus petits. La recherche de la science auprès des plus petits. L'imam Ahmed, l'imam Abdullah ibn Mubarak rapporte avec sa propre chaîne de transmission, d'après Abu Ubayya al-Jumahi radiallahu ta'ala anhu, que le prophète a dit, Inna min ashrati sa'a thalathan. Trois choses font partie des signes de l'heure. Ihdahunna an yultamas al-ilm inda as-sagha'ir. L'une de ces trois choses est que l'on recherche la science auprès des plus petits. Auprès des plus petits. L'imam Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, fut questionné au sujet des plus petits. C'est quoi les plus petits? Il répondit, ce sont ceux qui parlent avec leur opinion. Quant aux plus petits, duquel le plus grand rapporte, c'est-à-dire une parole ou un hadith, il ne s'agit pas d'un petit. Quant au plus petit, qui rapporte quelque chose, yani, d'un plus grand, hein, ça, ce n'est pas un petit. Il a dit également, le savoir leur est parvenu de la part des plus petits d'entre eux, c'est-à-dire les innovateurs. Quant à Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, il dit, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant que la science leur proviendra des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de leurs aînés. Mais quand le savoir va leur arriver de la part de leurs cadets et que leurs passions divergeront, alors ils périront. Ce hadith se trouve dans Zohd, page 281-815. Rapporté par Tabarani dans le Kabir et l'Awsat, ainsi que Abdelzer dans son Moussanaf, en des termes proches, et sa chaîne de transmission est authentique, conformément aux normes de Muslim, voir l'Ithaf Jama'a, page 424. Donc, parmi les signes aussi de la fin des temps, c'est quoi? C'est
que la personne prenne la science des petits. Des petits ici, ou bien ça veut dire, comme ils ont dit ici, ça veut dire les innovateurs, ou bien des petits d'âge, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu. Et nous, on va prendre les deux avis. On va joindre entre les deux et dire, non, ce sont les deux à la fois. Quand on laisse les gens de la sunna et on prend de la bid'a, des gens de la bid'a, c'est ainsi de la fin des temps. Et quand on laisse non, les grands savants et on prend de quelqu'un qui connaît juste quelques hadiths, cela fait partie de quoi? Des signes de la fin des temps aussi. N'empêche que, comme disent les savants, n'empêche que, si dans une ville, il y a quelqu'un qui a seulement un peu de science, et qu'il n'y a personne d'autre, il y a seulement celui-là, et que c'est pas possible de contacter les grands, dans ce cas, c'est permis de se prendre, de prendre de quoi? De ce petit. Pourquoi? Il n'y a que lui. Et l'obligatoire ne peut être fait qu'en suivant quoi? Cette personne. Et dans ce cas, suivre cette personne devient obligatoire. D'après la règle, Man la yatimu al-wajibu ila bihi fa huwa wajib. Mais le problème, c'est où? Quand il y a ce petit, il y a le grand savant, ou plus savant que lui, dans le même pays ou la même ville. On laisse le grand et on va vers le petit. C'est là qu'on est rentré dans yani, un des signes de la fin des temps. Mais s'il n'y en a pas, comme j'ai dit, on est excusé. Non. Au lieu de chercher tout seul, moi qui suis un ignorant, alors qu'il y a quelqu'un dans ma ville qui connaît mieux que moi, qui a avancé beaucoup plus que moi et qui est plus ancien que moi, non, et je vais prendre de moi-même et suivre yani, mon raisonnement, etc. Tout ça se fait pas. Je dois prendre de cette personne. Non. Mais si maintenant apparaît une autre personne qui a plus de science que lui, ou alors un savant, ça devient, yani, ce n'est plus permis de prendre de ce petit. Ensuite, le petit, quand on va prendre le petit d'âge, on va trouver que la plupart des temps, le petit d'âge, quand je dis petit d'âge, ça veut dire le jeune, hein, même s'il a de la science, il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque l'expérience. Vous avez compris? Il lui manque l'expérience. Et l'expérience dans la religion, dans notre religion, existe. Existe. Et ceux qui ont parlé de l'existence de l'expérience ont cité deux choses. Ont cité le cas de Aïcha, lorsqu'elle est sortie pour aller aux toilettes et qu'elle a glissé. Et yani, celle qui était avec elle a dit Taïsa, Taïsa Mistah. Ils ont dit donc, il y avait cette expérience. Et le deuxième cas, ils l'ont pris de quoi? Du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est monté dans les cieux. Et quand il a rencontré alayhi sallam, il lui a dit, combien Allah ta'ala t'a commandé de salat? Il lui a dit 50, ensuite il lui a dit monte, monte, et pour qu'il descende. Qu'est-ce qu'il lui a dit Moussa alayhi sallam? Il lui a dit, j'ai déjà souffert avec Ben Israël. Il lui a dit, j'ai l'expérience. Il lui a dit, jarrabtu an-nas qablak. J'ai déjà yani, testé, toi j'ai l'expérience. Le jeune, même s'il a de la science, des fois il n'a pas l'expérience. Et quand il n'a pas l'expérience, qu'est-ce qui se passe? Il peut se passer que il va dire tout ce qu'il connaît. Il croit que, puisque Allah Ta'ala m'a appris ces choses, et que c'est interdit qu'on nous pose des questions pour qu'on ne réponde pas, donc il va dire tout ce qu'il a appris, n'am, dans n'importe quelle circonstance, avec n'importe quelle personne, et pas là où il fallait pas dire cette chose, il n'a pas d'expérience, il est jeune. Il croit que tout ce qu'on a appris, on doit le dire. On doit le dire n'importe où, et à chaque moment, et comme ça. Alors qu'il y a des choses qu'on connaît, et qu'on doit pas dire, par exemple, t'assises là, ou qu'on ne doit pas dire à cette personne. Non. Regardez par exemple Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu. Une personne est venue lui dire, est-ce que celui qui tue, quelqu'un qui tue un croyant, il a tawba, il peut se repentir. Il lui a dit non, celui qui tue quelqu'un, un croyant, volontairement, il n'a pas de tawba. Quand il est parti, une autre personne est venue. Elle lui a dit, est-ce que le croyant qui tue un croyant volontairement, il a une tawba? Il lui a dit, qui peut fermer les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les gens lui ont demandé deux mêmes questions avec deux réponses différentes.
Il a dit Naam. Le premier, j'ai vu en lui que c'était quelqu'un comme un criminel. Naam. C'est qu'il venait de se bagarrer, lui, il voulait une fatwa s'il pouvait tuer. Je lui ai dit non. Celui qui tue n'aura jamais tawba. Et le deuxième, c'est quelqu'un, subhanallah, qui a regretté. J'ai senti en lui qu'il voulait faire tawba. Comment je vais lui porter la, je vais lui fermer la porte? Al-Muhim. On revient pour dire que celui qui est jeune, naam, en général, n'a pas d'expérience. C'est pour cela que, de préférence, naam, celui qui est jeune, de préférence, on lui donne pas quoi? On lui donne pas le fait de diriger les gens, de diriger les gens. Il peut les induire en erreur. Avec quoi? Avec yani, la chaleur qu'il a dans le cœur, le dynamisme qu'il a dans le cœur, l'art qu'il a dans le cœur, et quoi? Yani, il peut les induire dans un grand problème ou bien dans une fitna, alors que pour lui, il va dire, moi, yani, j'ai dit un hadith authentique, c'est tout ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit ce qu'ont dit les savants. Vous comprenez? C'est le manque d'expérience, bi-idhnillahi ta'ala. Al-Muhim. On va terminer avec le dernier signe, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. C'est le signe numéro 36. 36, c'est-à-dire l'apparition des femmes vêtues mais nues. L'apparition des femmes vêtues mais nues. L'un des signes de la fin des temps est que les femmes s'éloignent des comportements islamiques en portant des vêtements qui ne cachent pas leur nudité. Naam, et en montrant leur beauté et leurs cheveux, ainsi que tout ce qui doit être couvert de leur corps. Abdullah ibn Amr, radiyallahu ta'ala, nous rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il y aura à la fin de ma communauté, il y aura des hommes qui monteront sur des selles, comparables à des baldaquins. Yenzilun ala abwab al masajid. Ils descendront aux portes des mosquées, devant les portes des mosquées. Nisa'uhum kasiyatun 'ariyat. Leurs femmes seront vêtues mais nues, vêtues mais nues. Ala ru'usihim ka asminat al bukht al ijaf. Et sur leur tête de ces femmes se trouvera une chose semblable aux bosses des chameaux maigres à long cou. Il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Maudissez-les, car elles sont maudites. Maudissez-les, car elles sont maudites. لو كانت وراءهم أمة من الأمم لخدمنا نساؤكم نساءهم كما خدمناكم كما يخدمناكم نساء الأمم قبلكم. Si après vous il y avait une communauté, vos femmes serviraient leurs femmes de la même manière que les femmes des communautés avant vous vous ont servi. Rapporté par Ahmed. Et Ahmed Shakir a dit, la chaîne de transmission est authentique, tome 12, page 336. Tome 12, page 36. Tayyib. Selon une version rapportée par Al-Hakim, le prophète a dit, سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثير حتى يأتوا أبواب مساجدهم نساؤهم كسيات عريات. Il y aura à la fin de cette communauté des hommes qui monteront sur des selles confortables. Certains ont dit des voitures, des selles confortables, jusqu'à arriver aux portes de leur mosquée. Leurs femmes sont vêtues, ou elles seront vêtues, mais toutefois nues. Et toutefois nues. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux catégories de gens de l'enfer que je n'ai pas encore vus. Des gens, première catégorie, des gens qui ont avec eux des fouets comparables aux queues de vache, avec lesquels ils frappent les gens. Deuxième catégorie, وَنِسَاءٌ كَسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِلَاتٌ مَائِلَاتٌ, et des femmes vêtues et pourtant nues, penchées et faisant pencher. رُؤُسُهُنَّ كَأَسْمِنَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ, leurs têtes sont comparables aux bosses penchées des chameaux à long cou. لَا يَدْخُلْنَا الْجَنَّةِ, elles n'entreront pas au paradis. وَلَا يَجِدْنَا رِيحَهَا, et ne sentiront pas son odeur. وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدْ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا, bien que son odeur soit sentie d'une distance telle et telle. Telle et telle. Rapporté par Muslim, tome 17, page 190. Tayyib, ce qui nous intéresse ici, la deuxième catégorie. Et il y aura des femmes vêtues,
et pourtant nu, vêtu et nu en même temps, penché et faisant pencher. Leurs têtes sont comparables aux bosses penchées des chameaux à long cou. Elles n'entreront pas au paradis et ne sentiront pas son odeur. Que veut dire ici, Yanné, penché et quoi? Et faisant pencher. Penché et faisant pencher. Quatre avis sont émis pour expliquer le sens de pencher, faisant pencher. Premier avis. Penchées, elles sont penchées, ces femmes-là, c'est-à-dire elles ont dévié de l'obéissance d'Allah Azzawajal. Et ce qu'il convient de préserver de la chasteté autre. Elles sont penchées. Et faisant pencher, elles font pencher. Donc ces femmes-là, elles sont penchées et en même temps, elles font pencher. Qu'est-ce que ça veut dire, elles font pencher? Elles apprennent aux autres ce qu'elles font. Donc comprenez, elles-mêmes, elles sont loin de la charia et de l'obéissance d'Allah. En même temps, elles apprennent à d'autres femmes. Voilà comment qu'il faut faire, voilà comment qu'il faut profiter de la vie, voilà comment on fait avec un homme, voilà comment on fait, etc. Deuxième cas, deuxième avis. Qu'est-ce que ça veut dire pencher? Pencher, c'est-à-dire se pavanant dans leur démarche en balançant leurs épaules. Quand elles marchent, même elles se pavanent et quoi? Et balancent leurs épaules. Troisième avis, pencher, c'est-à-dire elles se coiffent d'une coiffure penchée. C'est pour ça que les savants ont interdit à la femme qu'elle se coiffe en faisant l'arrêt comme ça sur le côté. Et elle fait descendre comme ça une mèche, nam, sur son front. Et il a dit, elle se coiffe d'une coiffure penchée. C'est la coiffure des prostituées qui leur est propre. Et faisant pencher aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, elle coiffe les autres de cette même coiffure. Donc, quand elles font la faute, elles l'apprennent aussi aux autres. Tout ce qu'elles font comme faux, elles l'apprennent aussi aux autres. Et dernier avis, elles ont un penchant pour les hommes et les font pencher. Elles ont en même temps un penchant pour les hommes et en même temps, elles font pencher les hommes de ce qu'elles montrent de leur beauté et autres. De ce qu'elles montrent de leur beauté et autres. Voir l'explication de Nawawi dans Sahih Muslim, tome 10, 17, page 191. Abu Huray la rapporte. Parmi les signes de l'heure, il est qu'apparaissent des vêtements que porteront des femmes vêtues mais nues. Vêtues mais nues. Ces hadiths, voilà le dernier que je viens de citer, l'Haythami a dit, on le retrouve en partie dans le Sahih. Et les transmetteurs sont ceux de Sahih. Sont de Sahih, si ce n'est Mohammed ibn al-Harith ibn Soufyan qui est digne de confiance. Voir Mujma' al-Zawa'id, tome 7, page 327. Al-Muhim, ces hadiths font partie des miracles de la prophétie. Car ce dont nous a informé le prophète Aslam s'est produit. C'est produit avant notre époque et il est encore plus manifeste de nos jours. Plus manifeste de nos jours. Le prophète Aslam a appelé cette catégorie de femmes vêtues nues. Le prophète Aslam a appelé cette catégorie de femmes, comment qu'ils appelaient? Vêtues nues. Parce qu'elles portent des vêtements, mais malgré cela, elles sont nues. Car leurs vêtements ne remplissent pas le rôle de dissimulation du fait qu'ils sont fins et transparents. Comme la plupart des vêtements de femmes à notre époque. On a dit également que le sens de vêtue nue, ça veut dire elle vêt son corps, mais serre son foulard et porte des vêtements serrés afin de faire paraître les formes de son corps et de mettre en valeur sa poitrine et ses fesses, ou bien elle montre une partie de son corps. Elle sera alors châtiée pour cela dans l'au-delà. Elle sera châtiée pour cela dans l'au-delà. Le prophète a décrit ces femmes en disant vêtues nues, mais aussi penchés et faisant pencher. Leurs têtes sont comparables aux bosses penchées de chameaux, des chameaux à long cou. C'est une information au sujet d'une chose que l'on constate à cette époque. C'est comme s'il voyait, alayhi salatu wasalam, notre époque et nous la décrivait. En effet, de nos jours, il y a des endroits connus sous le nom de salons de coiffure, où les femmes peuvent arranger leurs cheveux, les rendre beaux et leur donner toutes sortes de formes. Ces lieux sont généralement tenus par des hommes. Des hommes qui coiffent des femmes. Non, des hommes qui touchent des salaires exorbitants.
Subhanallah l'azim. Et ces hommes, subhanallah l'azim, la plupart, ce sont des efféminés. Non, ce sont des hommes qui yani, sont des femmes. Mais seulement, yani, je ne sais pas qu'est-ce qui lui reste, peut-être le nom. Peut-être même le nom, ils l'ont changé. La plupart sont des efféminés. D'ailleurs, ils sont tout le temps avec des femmes, du matin au soir. Mais cela ne se limite pas uniquement à cela. Beaucoup de femmes ne se contentent pas des cheveux naturels qu'Allah Ta'ala leur a donné. Mais elles achètent ainsi des cheveux artificiels qu'elles rajoutent aux leurs pour qu'elles paraissent, ou là, pour que les cheveux paraissent plus doux, plus brillants et plus beaux. Tout cela afin d'attirer les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya, puisse Allah azza wa jalla, le Tout-Puissant, nous préserver. Voilà, inshallah ta'ala, on va arrêter ici. Si vous avez, inshallah, quelques questions, on peut commencer dès maintenant, inshallah ta'ala, tant que il n'a pas encore appelé au adhan. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous donne, inshallah ta'ala, quelques minutes si c'est possible. Tfadhal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Donc en attendant les questions en rapport avec le cours, donc comme d'habitude lorsque vous posez vos questions, mettez le titre de la question, c'est-à-dire dans le sujet vous mettez si la question est en rapport avec le cours. Donc en attendant les questions, cher, je vous pose une question d'ordre général. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous préserve, je viens d'avoir 24 ans et marié à une femme. Je vais étudier à Médine, mais l'âge limite est de 25 ans et je n'ai presque pas de moyens ni de diplôme. Pensez-vous que je pourrais y arriver en un an à rassembler toutes les conditions et quels conseils pourriez-vous me donner? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Afwan, je n'ai pas entendu la moitié de la question du début, car il y avait des sauts, comme ça sautait. Tfadhal. Wa alaykoum salam, qu'Allah vous préserve, amin, et vous de même. J'espère, Afwan, je viens d'avoir 24 ans et marié à une femme. C'est pas la peine d'ajouter à une femme. Un homme se marie à une femme. Dit je suis marié, c'est tout. Je veux étudier à Médine. Non. Mais l'âge limite est de 25 ans. Et je n'ai presque pas de moyens ni de diplôme. Pensez-vous que je pourrais y arriver en un an à rassembler toutes les conditions et quels conseils pourriez-vous me donner? Barakallahu fikoum. Le conseil que je donne, c'est que la personne doit faire, inshallah ta'ala, tous ses efforts pour essayer de quoi? De remplir les conditions. Donc la personne, elle va faire, inshallah ta'ala, tout ce qu'elle peut. Ensuite, si elle arrive, elle va remercier Allah subhanahu wa ta'ala et dire alhamdoulilah. Si elle n'arrive pas, elle dit qaddar Allahumma shafa'al. Comme ça, elle va pas avoir des remords et dire ah, oh, je savais pas que si j'avais fait ceci, j'aurais réussi. Donc c'est de ma faute, donc c'est shaitan, ceci, cela, il va avoir des remords. Le prophète a dit dans un hadith authentique, il a dit, Men, attendez, je cherche le mot exactement, Men yataharra al-khayr yu'ta. Comme ça, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Wa man yuwaqqa ash-sharr yuwaqqa. Il a dit, quiconque naam, fait des efforts pour, naam, pour arriver au bien, au haqq, naam, il arrivera. Il a dit au bien. Men. Il a dit quiconque yani vise le bien et essaye d'y arriver, il arrivera bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Sauf si Allah ta'ala ne lui a pas écrit cette chose, ça veut dire que ce n'est pas un bien pour lui, même si lui il croit que c'est un bien. Naam. Wallahu ta'ala alam, et puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider et aider tous nos soeurs et nos frères et nos fils et nos filles qui sont avec nous dans le salon. Tfadhal. Question en rapport avec le cours. Assalamu alaikum, cher. J'aimerais savoir s'il y a un avis qui autorise de se faire des mèches dans les cheveux. Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Naam, en ce qui concerne les mèches, il y a deux avis. Naam, l'avis de la plupart que j'ai lu qui disent que c'est interdit. Ils disent car
Cette chose-là ne vient pas des sahabiyettes, ni des mères des croyants. Mais ça vient des kafirettes et ça vient des fasiqat, qui apprennent ça à nos filles. Ça vient des mondes, des pays de kuffar. Et c'est peut-être, Wallahu alam, l'avis le plus juste. Et le deuxième avis qui dit que, yani, si elle n'a pas dans son intention que c'est d'imiter les kafirettes. Et qu'elle veut faire ça seulement, par exemple, pour son mari. Vous avez compris? Qu'elle ne met pas dans le cœur qu'elle veut imiter les kafirettes. Il a dit que c'est permis. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadhal. Alors, question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Je souhaiterais savoir par rapport à ce que vous aviez dit dans le cours, si la raie sur le côté et la mèche sur le front est également interdit chez soi, et aussi le chignon haut. Qu'Allah vous préserve et qu'il ta'ala vous accorde le plus haut degré du paradis. Tfadal cher. Naam, pour le chignon, d'après Cheikh Ben Outaymin, rahimahullah, la femme ne doit pas le mettre au-dessus de sa tête, même si elle est seule à la maison. Elle ne va pas dire je suis seule à la maison, il n'y a personne qui me voit, donc c'est permis. On dit c'est une chose entre toi et Allah Ta'ala. C'est comme si la femme, qui est tout seule dans la maison, elle va dire je vais porter un pantalon, je vais porter un jean serré, je suis toute seule. On lui dit mais. Le jean serré ne le porte que l'homme, le pantalon. Et Allah Ta'ala est en train de te voir. Alors on va aussi peut-être inverser les choses. On va dire un homme qui est tout seul dans la maison, il va mettre une jupe. Comprenez? Il va dire, je suis tout seul, je vais mettre une jupe. On lui dit, non, c'est interdit, tu te fais ressembler aux femmes. Et toi, la femme, tu te fais ressembler à l'homme. Al-Muhim, Cheikh Ibn Rahim Rahmallah dit, le chignon est permis s'il se met derrière. Et il repose sur la nuque. Il a dit, s'il est au-dessus de la tête, c'est pas permis. Quant à la raie, c'est pas permis qu'elle soit de côté. Comme font certaines perverses. De côté, comme ça, à droite ou à gauche. Mais c'est permis que ça soit au milieu. Et pour, comment qu'elle a dit, pour la mèche. Pour la mèche, naam, elle doit pas la mettre aussi de côté. On a celles qui mettent une mèche qui descend comme ça, juste d'un côté. Par exemple, elle cache presque, yani, l'œil droit. L'autre, ou alors elle le met du côté gauche. Elle cache presque les sourcils gauches. Vous comprenez? Il y en a ça. Ça aussi, c'est haram. Ça rentre dans le hadith penché et elle fait pencher. Surtout si elle va faire apprendre ça aux autres, c'est plus grave. Si elle le fait seulement, elle rentre dans le hadith penché. Si elle l'apprend aux gens, elle rentre dans le hadith, elle fait pencher. Naam. Tfaddal, inshallah ta'ala. Ensuite, nous, je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi nos femmes, yani, subhanallah, pourquoi elles n'ont pas de comment on dit ça, c'est pas responsabilité. Elles n'ont pas de personnalité. Naam. Pourquoi j'imite seulement les kafirettes? Non, pourquoi je n'ai pas de ma propre personnalité, ma propre. Non, vous voyez maintenant, par exemple les jeunes, hein, on voit ici ça chez nous, non, ils imitent les kuffars dans la façon, hein, de se coiffer. Ils font monter leurs cheveux comme ça, comme des hérissons. Vous connaissez l'hérisson? Subhanallah, ils font monter des cheveux, leurs cheveux comme ça. Yani, comme ils appellent ça, des pics, comme des clous, comme ça, qui montent. Et ils se croient qu'ils sont mashallah et qu'ils sont les plus beaux parce qu'ils suivent la mode. Non. Les autres, a'oudou billah, yani, ils rasent une partie de la tête et ils laissent une partie. Exactement ce qu'a interdit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, quand tu rases une partie et tu laisses une partie, tu as fait trois choses. Tu as fait trois choses. Trois transgressions. La première, tu as désobéi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit il faut pas raser une partie, laisser une partie. La deuxième, tu as imité le kuffar. Tu n'as pas fait ça parce que le prophète l'a fait ou bien les compagnons l'ont fait. Tu as fait ça parce que tu as vu les kuffars faire cela. Et le hadith dit, quiconque se fait ressembler à un peuple, il est des leurs.
Et la troisième chose que tu as faite, quoi? La troisième chose, troisième péché que tu as fait, disons péché, disons transgression que tu as faite, c'est quoi? Subhanallah l'adhim, tu as été injuste avec ta tête. Tu as enlevé une partie et tu as laissé l'autre. Même avec ta tête, tu as été injuste. Tu as fait du dhulm, tu as fait de l'injustice à ta tête. C'est pourquoi il est interdit en islam, interdit disons, décommandé, de mettre par exemple une seule paire de chaussures. On marche avec, j'ai dit une paire, une seule sandale par exemple au lieu de deux. C'est interdit, vous savez ça. Il a dit c'est Shaitan qui marche comme ça, et en même temps, tu as été injuste avec tes pieds. Tu as fait de l'injustice à tes pieds. Un pied, tu l'as couvert et l'autre, tu l'as laissé comme ça nu. Tu as été injuste. C'est pour ça qu'en islam, par exemple, c'est interdit de rester entre le soleil et l'ombre. Tu restes, il y a le soleil qui touche par exemple tes jambes et tout le corps, l'autre corps qui est sans soleil. Ou bien le soleil qui touche ton dos et qui ne touche pas ta poitrine et comme ça. C'est interdit. Pourquoi? Il a dit c'est Majlis Shaitan. C'est l'assise du Shaitan. Et en même temps, tu as été injuste avec ton corps. Une partie, tu lui as donné du soleil, l'autre, tu ne lui as pas donné. Subhanallah l'azim. Regardez comment qu'est la justice en islam et l'équité. Comment Allah Ta'ala veut que on soit yani, les plus justes, même avec nous, pas avec notre corps. Donc voilà, j'ai dit maintenant que les jeunes, subhanallah l'azim, fais tout ce que tu veux pour les convaincre, tu n'arriveras pas. Hein, que pour leur dire qu'ils sont dans la faute et que yani, il faut avoir une personnalité. Il faut que tu sois toi-même. Non, ce n'est pas, je ne veux pas être la photocopie d'un autre. Je veux pas être la photocopie de, je sais pas qui, Michael Jackson ou bien Messi ou je ne sais pas qui. Je veux pas être sa photocopie. Je veux être moi, moi. Moi avec mon nom et mon prénom. Je veux pas être un autre. Comprenez? Non. Tfadlal, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Quand vous parlez de la coupe penchée, cela veut-il dire que si l'on se coiffe comme cela, c'est très grave? Tfada, cher. Apparemment, ce qui inquiète, c'est uniquement les coupes de cheveux, cher. Tfada. Ça veut dire tout simplement qu'on a fait un péché. Tout simplement que Allah subhanahu wa ta'ala est en colère. Donc maintenant, si Allah ta'ala est en colère contre toi, donc, yani, je ne vois pas comment une personne qui a de la foi pourrait avoir un cœur apaisé. Comprenez? Quand je sais moi que mon père contre moi, déjà, je n'ai plus envie de manger ni de dormir. La même chose pour ma mère, qui ne parle pas peut-être, était en colère contre moi. Qu'en est-il maquillé contre moi, façon de me coiffer, ou alors cette façon de m'habiller. Donc si quelqu'un est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, la moindre des choses, il va sentir des remords dans son cœur. Vous avez compris? Et par conséquent, il va délaisser cette chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant qui lui a dit ne fais pas cette chose, ne fais pas cette chose, hein, et si tu délaisses cette chose pour moi, je t'en donnerai mieux dans cette vie et dans l'au-delà, bi-idhnillahi ta'ala. Et c'est aussi une épreuve, et c'est un signe que vraiment tu es sincère avec moi. Tu peux délaisser des choses que tu aimes à cause de moi. Voilà un signe de la sincérité. Tfadlal. Salam alaikum, cheikh. Wa alaikum salam, rahmatullah. On a dit qu'une femme ne doit pas attendre plus de 15 jours de règles avant de faire le ghusl. Mais quand par exemple ces règles passent par une étape très longue, le premier jour, elle a vu une trace microscopique à 19h30, vraiment presque rien. Après, elle doit attendre 2 jours pour que le sang vienne. Doit-elle quand même compter ce jour dans les 15 jours alors qu'il y avait un truc microscopique et après plus rien? Car elle a le fil blanc à la fin, mais il tarde beaucoup à venir. C'est 3 ou 4 jours de sang durant 15 ou 17, et le reste c'est du marron, rosé, jaunâtre ou rien. Un quand une femme a quelques gouttes de sang et ne sait pas si c'est des gouttes, si ce sont des gouttes de sang
de règles ou d'autres choses. Elle doit voir quoi? La première chose sur laquelle elle doit se baser, c'est de dire, cette goutte, est-ce qu'elle est venue pendant ma période, la période où d'habitude j'ai les règles, ou avant ma période? Vous avez compris? Si c'est avant la période, elle ne doit pas lui donner d'importance. Si quoi? Si cette goutte va venir un jour, ensuite elle va disparaître. Mais si c'est pendant sa période de règles, elle doit par contre dire que c'est le début des règles, même si c'est juste une petite goutte. Pourquoi? Car c'est venu pendant la période des règles. Et même si après il n'y a plus rien, c'est-à-dire il y a une goutte ou quelques gouttes, ensuite ça s'arrête, elle doit compter les jours où elle s'est arrêtée, où il n'y a eu plus rien, elle doit compter ces jours-là comme des jours de règles. Pourquoi? Car il y a eu déjà le début, il y a eu la goutte ou les deux gouttes qu'elle a reconnues. Ça, c'est à condition que ça vienne pendant les jours de ses règles. Mais si par contre ça ne vient pas pendant les jours de ses règles et ensuite que ça disparaît, elle ne doit pas y aller donner à ça de l'importance car ce n'est pas venu pendant la période de ses règles. Mais si par contre ça ne vient pas pendant les règles, pendant les jours de ses règles, mais ça vient hors règles, c'est-à-dire avant, mais qu'elle reconnaît que ce sont des gouttes de règles, et que ça ne s'arrête pas, deux gouttes ensuite, deux gouttes ensuite, elle doit considérer ça comme des règles. Car les règles se dérèglent. C'est pas obligé que ça vienne toujours en même temps. Al-Muhim, maintenant quand c'est venu, ça a commencé à venir et que ça s'arrête, ça doit compter comme des jours de règles. Elle dit, il y a juste 3 ou 4 jours de sang, il dit en 15 jours, ça va mettre. Non, il y a seulement 3 ou 4 jours, ensuite ça s'arrête. Ensuite, ça s'arrête. Si ça s'arrête, elle doit compter la période où il n'y a plus rien, elle doit compter ça comme période de règles. Car ces règles, par exemple, c'est une semaine, c'est pas 4 jours. Donc, quand il n'y a plus rien, elle doit compter ça pendant des règles jusqu'à ce que Yanni, elle termine sa période, c'est-à-dire elle voit le fil blanc. Maintenant, si ça tarde à voir le fil blanc, elle doit patienter. Comme disait Aïcha, radiallahu ta'ala, elle disait. Quand on lui montrait, on lui envoyait du coton trempé dans les parties intimes, elle disait, elles ne doivent pas se précipiter jusqu'à ce qu'elle voie le fil blanc. À condition tout ça, qu'elle ne dépasse pas 15 jours. Jamais une femme ne doit dépasser 15 jours dans les menstrues et 40 jours dans les lochies. Sauf si on prend du deuxième avis qui dit, pendant les lochies, 60 jours, comme a dit Ibn Taymiyyah, et l'a accepté, Cheikh Ibn Uthaymeen l'a pris comme avis. Sinon, l'avis le plus courant des salafs, c'est 40 jours pour les loger. Al-Muhim. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse. De toute façon, quand une femme, yani, délaisse une chose, yani, ne la fait pas de peur de prier avec le sang, par exemple, ou bien elle est embêtée, si c'est ceci, si c'est cela, et que elle fait des efforts comme ça, elle prend un avis. Pour tout cela, elle est quoi? Pour tout cela, mashallah, elle est yani, rétribuée en bien. Pour tout cela, elle a des récompenses. Car le hadith a dit quoi? Elle est juste l'épine qui te pique. Et yani, te donne des soucis, tu es quoi? Tu as inshallah des récompenses pour cela. Qu'en est-il toi? Tu es préoccupé par le dîn. Est-ce que je prie? Est-ce que je prie pas? Est-ce que ceci? Est-ce cela? Ou est-ce le shaitan? Attends, je vais ouvrir ce livre. Attends, ceci, attends, cela. Pour tout cela, tu as des récompenses, inshallah ta'ala. Tfadl pour la prochaine question. Ah bah, est-ce qu'il y a du sang, cher? Est-ce que c'est bon, Inch'Allah? Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah, Abu Abdillah. Peut-on profiter des livres et des audios du cheikh Abou Bakr al-Jazairi? Aussi, cher, je pense qu'il serait vraiment très profitable de faire un charh de l'Aqidat Tahawiyya, puisqu'il n'en existe actuellement aucun en langue française, ou bien le Mukhtasar de Kitab el-I'tisam. Wallahu a'lam, c'était juste une suggestion. Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Donc c'est la première personne que j'entends qui me dit Abu Abdillah.
Barakallahu fik de propager cette sunna. Donc, Tayyib. En ce qui concerne donc la question, c'était quoi? Abou Bakr Jazairi, mais il y avait autre chose. Naam, en ce qui concerne le livre, l'Aqida Tahawiyya. Et pour les personnes qui font des suggestions de certains livres, je leur dis Barakallahu fikoum. Ça, vous avez raison. Moi aussi, j'ai dans l'intention de faire tous les livres. Cher, vous n'avez plus le micro. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Donc, vous l'avez remarqué, la connexion est très mauvaise. Donc, il se peut que je fasse un peu et que vous m'entendiez pas une demi-heure. Un mohem. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous avez entendu la réponse sur Abu Bakr al-Jazairi? Hafidhahullah, tfadhal. Non, cher, au niveau de la réponse, on n'a pas entendu. Vous étiez en train de répondre et vous étiez arrivé au moment où vous aviez dit, moi aussi j'avais l'intention de faire les livres. Et là, ça a coupé, on n'a pas entendu la suite. Tfadha, cher. Donc, j'ai dit, Inch'Allah Ta'ala, que j'ai l'intention, quand on termine la fin des temps, ou les signes de la fin des temps, Inch'Allah Ta'ala, on commence un livre de Aqidah qui serait utile à tout le monde, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. On revient sur Abu Bakr Jazair Hafidhahullah. J'ai dit que Abu Bakr Jazair Hafidhahullah, dans ces derniers temps, ces derniers moments, il a beaucoup changé, yani vers le bien, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Quant à ces livres, naam, vous pouvez les lire, bi-idhnillah ta'ala, surtout, son livre, Aysir Tafasir, son livre qu'il a écrit sur l'exégète du Coran. C'est un livre dont j'ai lu moi-même deux ou trois. Deux, c'est sûr, trois, je doute. Deux ou trois, tout ce qu'il y a de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, où il a dit que c'est un livre qui est, masha'Allah, et que les talibou'in, yani, pouvaient, yani, profiter de ce livre, inshallah ta'ala. Donc c'est un livre qui a au moins deux tazkiyas de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah avant de mourir. Et tazkiyas dans, pas dans le même livre, je les ai lus dans des endroits, yani des livres différents de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. C'est un livre de tafsir, mashallah, car il explique le verset, il explique les mots, chaque mot à part. Que veut dire ce mot dans la langue arabe? Ensuite, qu'a voulu dire Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, en général, qu'a-t-il voulu dire? Bidna ta'ala qui explique le Coran basé sur la compréhension des salaf. C'est pour ça, si tu vas regarder les versets, tu vas lire les versets où Allah ta'ala parle de l'établissement du trône, tu vas voir qu'il les a expliqués exactement comme disent les salaf, bi'idhnillah ta'ala. Donc je pense qu'en notre époque maintenant, en ces derniers temps, dans le tafsir simple, il n'y a pas un tafsir yani, meilleur que son tafsir. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadhal. Question suivante. Salam alaikum, cher. Un frère doit laver demain un bébé décédé à la naissance. Pouvez-vous faire un petit résumé sur le lavage mortuaire? Et y a-t-il des actes spéciaux à faire pour un bébé? Qu'Allah vous récompense ainsi que les admins. Tfadal, cher. Naam, le lavage mortuaire, c'est connu. C'est connu que on fait exactement à la personne comme si on lui faisait le lavage de la janaba. Comme si on lui faisait le lavage de la janaba. Tout le monde sait comment qu'une personne fait le lavage de la janaba. Elle commence par le wudu et ensuite, yani, fait tout le corps et ensuite revient à ses pieds, bi'idhnillah ta'ala. Sauf que pour le bébé, certains yani, ont facilité. On dit que l'essentiel, c'est yani, de lui faire un lavage simple comme ça, que l'eau le touche partout. Ensuite, on l'enterre, bi'idhnillah ta'ala, car il n'est pas encore, yani, il n'a pas atteint l'âge où Allah ta'ala yani, l'a chargé. L'a chargé de, yani, de l'adorer, bi'idhnillah ta'ala. Non, tfadhal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Abdillah, hayakumullah.
Les chiens de mon mari vivent sur la terrasse, mais ils ne rentrent jamais dans la maison. Quand il les fait sortir, il les fait passer par la terrasse, car je vis au rez-de-chaussée. Est-ce que cela est compté comme s'ils vivaient dans la maison? Les anges rentrent-ils dans la maison, sachant que les chiens vivent sur la terrasse? Je tiens à vous préciser que je ne vis pas dans une villa. Je suis contre le fait qu'ils vivent sur ma terrasse, mais mon mari ne veut pas s'en débarrasser. Malgré toutes les preuves que j'ai pu lui sortir, il ne veut rien écouter et persiste à les garder, et assume de prendre tous les péchés que cela pourrait engendrer. Je ne sais plus quoi faire. Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khairan. Tfadda cheikh. Non, même si j'ai pas entendu le début de la question, mais j'ai cru comprendre que ça parlait de chien qu'il y avait sur la terrasse et que le mari, dont le mari ne veut s'en passer. Non, c'est-à-dire que c'est une femme qui se plaint de son mari, qui élève des chiens sur la terrasse, ou bien apprivoise des chiens, et qu'elle est contre, etc. Elle n'a pas pu le convaincre. Est-ce que c'est ça la question, musulman? Est-ce que c'est ça la question? Alhamdoulillah. Je dis à cette femme et à cette sœur, pour lui apaiser son cœur, bi'idhnillahi ta'ala, que pour toi, toutes les adorations sont normales et acceptées, et que, s'il y a des anges qui ne viennent pas, ils ne viendront pas à ton mari qui, lui, leur a interdit de venir, pas à toi. Ensuite, je dis une chose. Si le chien ou bien les chiens dont elle est en train de parler sont des chiens, yani, qu'il est permis de garder, comme par exemple un chien de chasse ou bien un chien berger, et que vous avez un troupeau qui les garde, ou bien un chien de garde de maison. Vous habitez par exemple une villa et que vous avez peur qu'il y a des voyous, des voleurs, etc. Dans ce cas, il n'y a plus de problème dans la question. Mais si c'est le cas contraire et que il n'y a pas de raison que les chiens soient avec nous, car on ne remplit pas les conditions d'avoir des chiens. Donc le tout, c'est le mari qui va l'endosser. Toi, tu es contre avec ton cœur, avec ta langue. Avec ta langue, tu lui as dit déjà plusieurs fois. Et avec ton cœur, Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Donc c'est le mari qui va tout endosser ici par rapport à ses adorations et dans l'au-delà. Quand il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à toi, tu as fait ce qu'il fallait faire, bi'idhnillahi ta'ala, na'am. Et tu n'as, inshallah ta'ala, na'am, rien d'autre à faire. Sauf que, de temps en temps, le rappeler toujours à ton mari. Mais ce n'est pas, par exemple, une cause pour divorcer de son mari ou bien pour aller yani, chez ses parents. Na'am. Tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum. Qu'Allah Ta'ala vous préserve, cher. Je suis une sœur et je voudrais savoir si je pouvais aller au Maroc durant quelques semaines en avion, sachant que c'est mon père qui m'accompagne jusqu'à l'aéroport, mais à l'arrivée, je vais chez ma tante qui vit toute seule car son mari est décédé. Et c'est elle qui m'attendra à l'aéroport, sachant que mon père ne souhaite vraiment pas y aller et cela depuis de nombreuses années. Et cela devient très pesant pour moi de rester qu'en France. Barakallahu fikoum, cher. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. À la réponse de cette question, je dirais, la plupart des savants interdisent ce qu'elle veut faire ici et disent que ça lui est pas permis. Reste quelques savants qui permettent cela, même, surtout si c'est, yani, s'il y a quoi, s'il y a un besoin, comme aller visiter sa mère qui est malade ou quelque chose comme ça. Et c'est dommage pour la sœur. Car elle a posé la question à quelqu'un qui est d'avis que ce n'est pas permis. Donc pour moi, je dis, inshallah ta'ala, que pour moi, ce n'est pas permis qu'elle aille et que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Mais si elle a les moyens de demander à une autre personne, qu'elle le fasse, inshallah ta'ala, peut-être que la personne à laquelle elle va demander, peut-être qu'elle est de l'avis que c'est permis. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum.
Qu'Allah vous préserve et vous récompense, cher. Nous sommes administrateurs d'un forum pour sœurs, administratrice, afwan, d'un forum pour sœurs. Et suite à plusieurs demandes de sœurs célibataires souhaitant se marier, nous voudrions votre avis, cher, concernant l'ouverture d'une rubrique prévue à cet effet. Cette rubrique qui serait privée, seules les sœurs souhaitant se marier, vous connaissez un frère qui souhaite se marier, pourraient y accéder. Elles auront accès à la lecture seulement. Personne ne pourra poster sauf nous. Si quelqu'un a une annonce à mettre, alors elle devra nous contacter. Une fois que nous nous serons assurés de la conformité de celle-ci, nous la mettrons en ligne. L'annonce en question ne devra pas être trop détaillée, l'essentiel suffira, comme par exemple l'âge, l'origine, etc. Nous pourrons définir les critères plus tard. Nous ne préciserons pas de qui est l'annonce. Ainsi, une sœur intéressée nous le signale et nous la mettons en contact avec l'auteur de l'annonce en question. Ceci pour éviter le contact trop simple et multiple. Bien évidemment, dans le règlement, nous ne tolérerons aucun débordement et nous nous désolidarisons. C'est l'une des sœurs emprunte une voie illicite par la suite. Nous mettons des rappels et je propose que cela soit le cas aussi dès que nous mettons des personnes en contact. Tfadal. Mon avis, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, c'est seulement mon avis. Donc, vous pouvez prendre de cet avis ou ne pas le prendre. Mon avis, Allah ta'ala a'lam, c'est de ne pas ouvrir cette porte, comme le conseil des savants, car vous serez vite dépassé par les événements. Ensuite, vous allez mettre des gens en contact, et, classe, vous avez perdu le fil, vous savez plus ce qui va se passer, ni s'ils vont se rencontrer en cachette, ni ceci, ni cela. Là, mais ils vont commencer à se contacter, à s'envoyer des photos, à ceci, à cela, et même peut-être à se rencontrer. Je dis au Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit Allah ta'ala, « Allah ta'ala dit que ceux qui ne trouvent pas le mariage, qu'ils restent chastes jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala les enrichisse et ils peuvent se marier. » Je dis, tous les savants que je connais, auxquels j'ai lu, ne permettent pas Yani ces choses par internet. Ne permettent pas ces choses par internet. Car on a beau serrer. On a beau dire. Yani, on va se limiter juste à ceci, cela. Ensuite, dès qu'il y a contact entre le prétendant et la prétendante, là, vous allez perdre le fil. Vous allez plus savoir ce qui se passe. Ce qui se passe et où ça va aller l'affaire. Surtout dans un pays en Europe où, yani, vous savez que beaucoup de gens, yani, leur foi, yani, c'est juste, enfin, ça tient juste sur quelques fils. Là, et il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière la foi. Pas seulement en Europe, partout dans le monde. C'est-à-dire ces derniers temps où la foi faiblit, il n'y a plus la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc je conseille, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toujours mon avis, de ne pas ouvrir cette porte. Mais par contre, celui qui veut marier, là, si c'est une femme, elle demande à son mari, qu'il lui cherche quoi? Qu'il lui cherche un frère pour la sœur qu'elle connaît. Et si c'est un homme qui a un frère qui voudrait marier son ami ou son frère qui prie avec lui à la mosquée, son frère dans la religion, il demande à sa femme, de lui chercher une copine à elle ou une amie ou une je ne sais pas qui, pour que, yani, pour qu'il envoie lui son ami chez les parents de celle-là pour lui demander sa main. Et comme ça. Mais pas Internet, je ne conseille pas. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadlal. Question suivante. Salam alaikum, cher. Voici ma question. Pendant la salat en jama'a, nous devons répondre au salam lorsqu'une personne rentre dans la mosquée, même en faisant un geste. Cependant, si nous sommes en salat et que la personne ne voit pas ma main, répondre au salam. Car étant en prière, je lui donne le dos, donc la personne ne voit pas ma main. Dans ce cas, dois-je tout de même faire le geste pour répondre au salam? Barakallahu fikoum Cheikhana. Tfadal Cheikh. En principe, si celui qui a posé la question a dit salam alaikum, je dis alaikum salam.
Moi-même, j'ai pas entendu. En principe, quand quelqu'un rentre dans la mosquée, trouve les gens en train de prier, c'est pas de la sunna de dire comme ça salam alaykoum devant tout le monde. Mais il dit salam et quand il s'approche de la personne devant laquelle il va prier. Maintenant, si jamais une personne rentre et dit salam alaykoum comme sa voix haute, ce n'est pas tout le monde qui va lever la main pour lui répondre. Surtout que ceux qui sont dans les premiers rangs, même s'ils font le geste avec la main, lui, il ne peut pas les voir. Donc c'est la personne qui est proche d'elle et qui sait que si elle va tendre sa main, elle va la voir. C'est celle-là qui va lui dire Walaykum salam avec sa main, bi'idhnillahi ta'ala. Car vous savez que rendre le salam, une seule personne suffit. C'est pas tout le monde qui va rendre le salam. Une seule personne suffit, bi'idhnillahi ta'ala. Donc ce sera la personne qui, elle est sûre que maintenant, quand elle va monter sa main comme ça, l'autre va la voir, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Alors, question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi, cher. Enfin, ce vendredi en Angleterre, c'est le jubilé de la reine. Et on nous a dit de ramener des petits gâteaux et d'habiller nos enfants aux couleurs du drapeau anglais. Je sais que c'est une bid'a, cher, et je refuse de participer à ceci. C'est pourquoi je vais faire ni gâteau, ni vêtir mon fils de la manière qu'ils veulent. Mais j'aimerais savoir si je devrais manquer la classe à mon fils, sachant que cette absence passera en absence non autorisée, ou est-ce que je peux le laisser aller à l'école, mais sans faire ce que l'on me demande. Mais même dans ce cas-là, ils feront des choses spéciales pour célébrer les 60 ans du règne de la reine. Mon fils a 6 ans, et je suis une sœur, aidez-moi, chère, que dois-je faire? Qu'Allah vous élève au plus haut des degrés du paradis, et vous préserve ainsi que vos proches de tout mal dans cette vie et dans l'au-delà. Tfadashir. Walaykoum salam, rahmatullah. Si, comme dit la sœur, que son absence, qui est non autorisée, ne sera pas yani, grave. C'est pas on va lui faire des problèmes, on va lui donner un zéro, ou je ne sais pas, on va le punir. Si ça va passer normalement, comme une absence yani, ordinaire, dans ce cas, il vaut mieux qu'il n'aille pas ce jour-là. Car qu'il le veuille ou pas, il y aura de la musique, et il y aura beaucoup de choses, et il y aura, je ne sais pas quoi, des gâteaux peut-être, ou il y aura de l'alcool, ou je ne sais pas quoi. Possible de lui éviter. Yani, la classe ce jour-là, ce serait mieux. Ce serait mieux pour lui, pour sa aqida, pour son avenir. Mais si vraiment, yani, c'est interdit, et qu'il risque, je ne sais pas, qu'on le fasse doubler, ou bien qu'on lui en... Yani, qu'on vous convoque et que je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui va se passer. Donc, dans ce cas, qaddara Allahumma shafa'al. C'est plus fort que toi. Mais je reviens, si c'est, il y a une absence qui va passer comme ça ordinaire, comme quoi il pouvait pas venir, comme quoi il avait des empêchements, comme quoi, et que ça passe ordinaire, il vaut mieux qu'il n'aille pas ce jour-là, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfadlal. Question suivante. Salam alaikum ya Cheikh Anna. Qu'Allah vous accorde des bienfaits dans cette vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Je me retrouve dans la situation suivante. Je vis avec un frère dans un appartement qu'il loue. Il paye le loyer, je ne paye rien. Chaque mois, ce frère va déposer un chèque chez le gardien. Nous savons que ce gardien commet des choses malsaines, notamment il fait du sihr. Ma question est donc la suivante. Est-il légitime pour moi de vivre avec ce frère, sachant qu'il paye chaque mois le loyer, et que cette entreprise de logement me reverse à partir des loyers des gens un salaire au gardien, et qu'avec cet argent le gardien fait ces choses malsaines que j'ai citées auparavant? Barakallahu fikoum. Tfadal cher. Franchement, je n'ai pas compris la question. Si c'est possible, Inch'Allah Ta'ala, de me dire, de me faire comprendre la question, je n'ai pas compris. Wahda. Et deuxièmement, n'oublie pas qu'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, n'oublie pas que il n'y avait pas d'internet pendant au moins un quart d'heure. Donc, qu'on rattrape, Inch'Allah Ta'ala, le quart d'heure que j'ai raté quand il n'y avait pas de connexion. Fadlan. Donc, Inch'Allah, cher, vous me dites à quelle heure on...
on termine Bidnella. Et dans la question, je pense, donc de ce que j'ai compris, il demande si c'est légitime de vivre avec quelqu'un, donc avec un frère, sachant qu'une loi qui payera toujours le loyer. Je pense qu'il demande si c'est légitime. Et dans la même question, il demande s'il est autorisé de donner un loyer à une personne qui derrière va faire du sihr. On sait qu'avec cet argent-là, il va faire du sihr. Avec le salaire qu'on va lui donner. Wallahu alam, c'est ce que j'ai compris de la question. Si ce n'est pas ça, on demande au frère qui a posé la question de se rapprocher du frère Akh Mohamed 64. Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh. Non, mais en fait, j'ai pas toujours bien compris la question. Non, moi, quand j'habite chez quelqu'un, je dois payer mon loyer. Maintenant, quand je paye mon loyer, ce qu'il va faire avec, ce qu'il va faire, vous avez compris? Moi, je dois payer mon loyer. Maintenant, quand je paye mon loyer, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Je ne dois pas chercher ce qu'il va faire. Je lui donne en contre. Si j'apprends que il invite des gens à boire de l'alcool, ceci, je lui loue pas. Je lui loue pas. Maintenant, c'est le contraire. C'est lui qui m'a loué. Je lui donne de l'argent. Je ne sais pas. Je dois pas essayer de comprendre. L'essentiel, il m'a loué la maison. C'est tout. Nam. Donc, et ensuite, la sœur dit, vous dit, s'il nous demande une raison pour son absence, je dois donner la raison réelle ou mentir. Réelle, car ça risque de t'emmener loin. Ça veut dire, donc toi, va dire qu'est-ce que tu fais ici en Angleterre, tu es contre notre reine. Ni mentir, chose. C'est comme quelqu'un par exemple qui ne va pas. J'avais un malaise dans mon cœur ou un mal dans mon cœur. Un mal dans mon cœur, si c'est vrai, on est loin, on est femme. Mais j'ai pas dit que j'avais. J'ai été chez le cardiologue et que il m'a dit que vous avez un mal au cœur. Mais je parle de l'autre mal. Je suis, comme a dit la Ta'ala, fi qulubihim marad. La Ta'ala a dit des hypocrites que. Ils avaient une maladie dans leur cœur. Quand tu dis, je sens quelque chose dans mon cœur, yani, tu veux dire par là, loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme ça. Non. Tfadlal. Question suivante. Bijoux qui nous servent de parure. Les bijoux que je possède m'ont été offerts en cadeau et je souhaite savoir comment déterminer le poids de mes bijoux, sachant qu'il y a des bijoux qui comportent des pierres précieuses et non précieuses, et d'autres bijoux qui sont en argent plaqué d'or, ou d'autres en métal plaqué or, et d'autres en or rouge ou jaune, sachant que les couleurs de l'or dépendent des alliages de métaux mélangés à l'or. Donc je souhaite savoir comment dois-je déterminer le poids de l'or et de l'argent de me donner ce que je vais devoir sortir en zakat. Barakallahu fikoum cher pour vos efforts et pour le temps que vous nous accordez ainsi que les admins. Qu'Allah vous récompense grandement et vous accorde le Firdaous ainsi qu'aux admins et à tous les musulmans. Tfadha cher. L'or, ah, j'ai dit l'or. La zakat se fait sur les bijoux qui sont en or et qui sont en argent, pas en d'autres métaux. Qui sont en or et qui sont en argent. Plaqué or, ça veut dire qu'il y a de l'or dessus. Plaqué argent, ça veut dire qu'il y a quand même de, yani, un peu d'argent dessus. Et moi, il n'y a pas de zakat sur les émeraudes et le diamant et ces choses-là. Il y a seulement sur l'or et l'argent. Ni sur le cuivre, ni sur le fer, ni sur le zinc, ni. El Mohim.
La personne qui apprend que il faut faire la zakat sur la part Mohim. Ensuite, elle va peser l'or et l'argent, les bijoux qu'elle a en or et en argent, et voir si ça dépasse 85 grammes. Si ça a atteint 85 grammes et plus, elle doit sortir 2,5 grammes, 2,5 grammes pour tous les 100 grammes. Pour 100, 2,5%. Chaque 100 grammes, elle doit sortir 2,5%. Et elle doit sortir, yani, si elle veut en or, si elle veut yani, de la même matière, c'est-à-dire pour l'or, elle sort en or, pour l'argent, elle sort en argent, ou bien elle sort en argent, l'argent, c'est-à-dire liquide, en euros, enfin, en dollars, en argent. Par exemple, disons, si elle a 200 grammes, 200 grammes, elle va demander c'est combien le gramme d'or. Et elle multiplie les 200 grammes par yani, la valeur du gramme. Ensuite, elle fait sortir 2,5, c'est-à-dire elle divise le tout par 40 et elle donne une part. Vous avez compris? Elle divise le tout par 40 et elle donne une part. C'est ça 2,5%. Maintenant, son mari n'est pas obligé que ce soit lui qui paye sa zakat. S'il veut, elle lui dit voilà, yani, j'ai fait les calculs, je dois donner par exemple 100 euros. Maintenant, si lui il veut, lui dit voilà, je te donne 100 euros et donne la zakat. Il a des récompenses. Mais s'il veut pas, la charia ne l'oblige pas. C'est son argent à elle. C'est elle qui doit quoi? Qui doit vendre une partie de ce qu'elle a et donner 100 euros. Par exemple, si c'est 100 euros. Non. Et comme j'ai dit, si maintenant son mari veut payer à sa place, ou bien son père, ou bien son voisin, ou bien, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Juste qu'il l'avertisse qu'il va faire sortir la zakat à sa place. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Tfadlal. Même si la personne ne travaille pas, elle doit sortir la zakat toutes les années, jusqu'à ce que l'or qu'elle a n'atteigne plus 85 grammes. Quand c'est devenu maintenant 84 grammes, 80, 70, elle n'est plus obligée de sortir la zakat. Tfadlal. Allez, j'ajoute une chose. Peut-être quelqu'un va dire, comment, subhanallah, mais elle ne travaille pas, etc. Et l'or qu'elle a, au lieu d'augmenter, il diminue. Et malgré cela, elle va sortir la zakat. On va lui dire, non. En islam, ayant maintenant 85 grammes d'or et plus, ça veut dire la personne n'est plus pauvre, elle est riche. Donc le riche fait sortir la zakat, premièrement. Deuxièmement, en islam, il n'y a pas l'or ou bien l'argent qui dort. Il n'y a pas faire dormir son or. Mais l'or que tu as, tu aurais pu le faire travailler. Tu aurais pu prendre ta parure que tu as et la donner. Donc tu aurais vu que peut-être, yani, il t'aurait ramené des richesses. Donc toi maintenant, quand tu l'as gardé à la maison. Alors, question suivante. Salam alaikum. Je vais bientôt m'installer avec ma femme, inshallah, et je ne souhaite pas mettre la télévision. Et elle me dit qu'elle ne rentrera pas à la maison s'il n'y a pas de télévision. J'ai peur que ça nous pose le divorce. Que faire? Tfadal cher. C'est le nouveau marié ou là il est déjà marié? Femme. Donc celle-là, elle lui a dit choisis. C'est moi ou elle, ou bien tu restes tout seul. Choisis, tu te maries avec nous deux. Avec moi et ma co-épouse. Femme. Choisis,
tu nous prends les deux, moi et Mako, il pose la télé, sinon, sinon on se marie pas. Subhanallah. D'ailleurs, attends. Ça, c'est le sens de la question de l'Armoustaran, mais c'est bien ce que sa femme lui a dit. Pour moi, je comprends qu'ils sont mariés, voilà qu'ils ne vivent pas encore ensemble. Et si le frère ne ramène pas de télévision chez lui, elle lui a dit qu'elle ne vient pas à la maison. Ah, j'ai. Donc, il demande que faire. Tfadal, cher. Je voulais savoir une petite chose. Est-ce que Hadou, ils sont mariés ou ils vont se marier? Pour moi, cher, dans sa question, je comprends qu'il est marié. Car elle dit, je vais m'installer bientôt avec ma femme. Pour moi, ma femme, ça engendre forcément que c'est qu'il est marié. Sinon, il n'aurait pas dit ma femme, il aurait dit ma future femme. Wallahu alam. Tfadal, cher. Si le frère peut donner la précision au Akh Mohammed, s'il est marié ou pas encore, Inch'Allah qu'il le fasse. Tfadal, cher. Mais allez, jeudi. Si sa femme, déjà mariée, mais si sa femme, c'est une femme qui est masha'Allah, qui tient à son dîn. C'est une femme à principe, une femme qui tient à son dîn, une femme qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et l'au-delà, etc. Et que elle a seulement ce défaut qu'elle tient toujours à la télé et que c'est très important et qu'il sait que elle ne voit jamais le haram à la télé. C'est-à-dire qu'elle fait son possible que elle ne voit par exemple que les choses dans le dîn ou bien des documentaires sur les animaux, sur la forêt, sur la mer, les montagnes, etc. Et qu'elle rentre jamais dans les films. Vous avez compris? Dans ce cas, il pourrait bidna ta'ala, yani, baisser les yeux pour cela à cause d'elle, parce qu'il tient à elle, il sait qu'elle est sérieuse et que yani, il trouve chez elle d'autres. Qu'il y a des qualités qu'il ne trouve pas chez d'autres. Mais à condition qu'elle ne voit de cette télé que des choses permises. Que des choses, il y en a permises. Mais s'il sait que elle voit des films de haram, et elle entend la musique, etc., dans ce cas, il lui dit, il n'y a pas de télé, quitte à divorcer. Non. Toi, tu es une femme qui écoute la musique et qui voit les danses et les films qui sont pas bien, etc. Les films où on montre des hommes et des femmes de faire des choses de haram, etc. Donc, moi, il n'y a pas de haram chez moi. Si tu veux pas, reste chez toi. Reste chez toi, je vais me marier avec une autre et on divorce. On divorce à cause de la télé, naam. Vous avez compris? Donc, c'est lui qui doit décider car c'est lui qui connaît sa femme et nous, on ne connaît pas c'est quoi son caractère et c'est quoi ses habitudes. Tfadlal. Naam, cher, donc Inch'Allah, la dernière question, et je vous demanderai de m'ouvrir rapidement votre PV. Bidnillah, cher. Donc, question suivante. Salam alaikum, cher. Je suis invité à une walima prochainement d'une sœur intime. Il y aura de la musique. Puis-je l'accompagner sans être dans la salle, de peur qu'elle soit vexée que je ne sois pas là? Comment puis-je réagir correctement en lui faisant comprendre qu'à cause de la musique, je ne serai pas présente. Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Est-ce que tu peux reprendre la question Barakallahu fik? Ensuite, pour ton PV, c'est le tien qui est fermé. Hein. C'est bon, cher, je l'ai ouvert. Mais je vous répète la question. Assalamu alaikum, cher. Je suis invité à une walima prochainement d'une sœur intime. Et il y aura de la musique. Puis-je l'accompagner sans être dans la salle, de peur qu'elle soit vexée que je ne sois pas là? Comment puis-je en lui faisant comprendre qu'à cause de la musique, je ne serai pas présente? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Qu'est-ce qu'elle veut dire par puis-je l'accompagner sans être présent dans la salle? L'accompagner où? Est-ce que c'est possible que tu me fasses comprendre ça? Je pense jusqu'à l'entrée de la salle, l'accompagner jusqu'à l'entrée de la salle, puis partir. Wallahu a'lam. Tfadal, cher.
Non, bien sûr qu'elle peut faire ça, bi-idhnillahi ta'ala. Car ce qui est haram, c'est pas le mariage, c'est la musique qu'elle a fait. Vous avez compris? Donc, il faut être intelligent et savoir comment grouper entre deux choses. Grouper entre ne pas lui gâcher son mariage, non, ne pas rompre les liens avec qui se trouve dans la salle. Et moi, alhamdoulilah, je ne suis pas rentré dans la salle où il y a la musique. Je l'accompagne jusqu'à là où il y a la salle et je lui dis, tu sais bien que, Yanni, que je n'assiste pas quand il y a la musique. Si c'était donc ce qui m'empêche, ce qui me force à te quitter maintenant, c'est pas à cause de toi. Tu sais bien, tu connais mes principes et que quand il y a la musique, Yanni, on ne doit pas obéir à une créature, Yanni, pour désobéir au créateur. Donc tu m'excuses ma soeur et bon courage, bonne fête, puisse Allah subhanahu wa ta'ala, yani, te rendre la plus heureuse. Voilà comment Inch'Allah ta'ala elle doit faire. Naam. Tayyib, on vous demande comment distinguer le poids de l'or seul et de l'argent seul dans d'autres métaux et pierres incluses dans le bijou, etc. Naam. Ça c'est très difficile. La soeur, ce qu'elle doit faire, c'est, si elle est mariée, de prendre son or dans un sachet et d'aller chez un bijoutier avec son mari. Si elle n'est pas mariée, elle part avec son frère ou bien son père. On lui dit, on part chez le bijoutier ou bien je sais pas comment il s'appelle, le joaillier ou quelque chose comme ça. Et là, il lui pèse ce qu'il faut, etc. Quitte à le payer. Quitte à le payer 5 euros, 10 euros, je ne sais pas combien. Et elle reste devant lui, bien sûr. Il y a quelqu'un, un homme avec elle. Et surtout si c'est un musulman. Et il pèse, c'est lui, c'est ça son travail. C'est lui qui peut te dire telle chose combien qu'elle pèse, telle chose combien qu'elle pèse, et il te fait un calcul vite, et tu le payes, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Nam, voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui, bi-idhnillah ta'ala. Attendez, je vais vous montrer quelqu'un que ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Comment qu'on fait ici? Nam, si ça marche, dans la caméra, je vais vous montrer quelque chose. Comment qu'on va faire? My cam, ça. Vous me dites, musulman, si mon ami apparaît ou non. Mon ami qui dort devant moi, est-ce que vous le voyez? Musulman, est-ce que vous avez vu mon ami? On voit pas. Ah, vous n'avez pas vu. Donc, il y avait une erreur quelque part. Mousseline. Mousseline, est-ce que vous avez vu quelque chose ou pas? Là, cher, moi personnellement, je n'ai rien vu. J'ai cliqué dessus, mais on n'a pas vu le. On ne voyait rien. Tfada, cher. Taïeb. Attends, on va réessayer une autre fois. Donc, voilà. Donc, celle-là, c'est une vraie chatte. Hein? Je ne l'ai pas ramenée du zoo. Hein? C'est une vraie, Inch'Allah ta'ala. Elle n'a rien à voir avec Catherine. Voilà. Hein? Celle-là, c'est une vraie. Voyez. Donc, Inch'Allah ta'ala, c'était. Non, elle la connaît pas. Donc, Inch'Allah Ta'ala, c'était la fin du cours. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, Youm Sept, samedi, bi-idhnillahi Ta'ala, dans le cours de Riyad Salihin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.